moun kap fè manipulasyon, se yon moun ki intentionnellement ap ese yon de donè son evènement. Donc ils vont faire attention, présentement, à ce que vous à des gens qui pourraient se retrouver dans une situation embarrassante à toute l'époque. Donc si on manipule l'opinion, ça veut dire que colonel, où bon intérêt. Exactement. Ok. Bon, maintenant, on a le sous assassinat à proprement parler. Colonel, compréhension de ça ou même. Yon bagay qui est totalement impossible. S'il vivait, il faut questionner chaque palier dans le système de sécurité président la caille. Parce que la sécurité du président, il faut que l'aspect. Il y a l'aspect que les éléments mobiles, il y a une manière d'organiser que les éléments fixes. Et le président a trois éléments plus probables. Le haut travail, la CAILI, ou bien un rendez-vous que tu as gagné à l'extérieur de la CAILI, ou bien du haut côté de la travail. Dans chaque cas, il y a un dispositif que vous mettez en place. Un dispositif qui est techniquement fait pour organiser nos systèmes de circonstances. Que la visite du point le plus éloigné ou menace à Capini vers le point le plus rapproché. En ce qui concerne la résidence du président, le principe serait que, du point de vue périphérique, contrôlant les présidents de la CAILI, ça suppose faire du finant pour être commissariat, et sur Villa Port et Hôtel Kinam, non? Le va monter, et le pour descendre du finant pour être Thomas 25, rivé vers la boule 12. Maintenant, l'on a presque le plan latéral sur une route après d'approche. Ni l'on passe par route de Thomasin vers Montagne Noire, qui t'a qu'à mener vers l'évidence. Nous supposons qu'il y a un contrôle sur toute périphérie, ça. Ce sont les points éloignés. Et l'on a rapproché, d'ailleurs, toujours, l'on a gardé l'entrée de l'instant. Il y a un dispositif. Oui, sous la rue, à même qui théoriquement supposé séparer espace de sécurité résident avec espace de circulation courante. Là. Est-ce que là. Donc, il y a un monde qui a une mauvaise intention, pas capable de pénétrer tout l'espace là jusqu'à ce qu'il arrive dans la route directe qui mène à président, ou à Paris, avec le président, ou à pouvoir entrer dans la croix. Plus grave pour nous rentrer en deux cas, plus grave encore pour nous rentrer en deux chambres président. C'est à moins que le monde qui est responsable contrôle la sécurité président retire tout palier ça, de telle sorte que l'agression est capable. Or, qui ça moi-même m'a suivi depuis l'événement au commencement. Ce n'est pas un élément où l'élément surprise dérité et complète, parce que des gros pile tir qu'a fait, jusqu'à ce que toi, quand on a filmé ça, qu'a fait, et à transmettre sur vidéo. Des gens qui ont parlé, des gens qui n'ont pas d'information, d'après les gens qui dit qu'ils n'ont pas tiré, et opération DEA. Maintenant, si opération DEA a fait à 1h du matin, quand on est dans la République, mais son opération d'Ostel, c'est qu'à l'opération de l'EA. Maintenant, moi qui l'a foutu pour le président. Nous devons camper sur point ça, colonel. Comme moi, je dis, on pile palier ce qu'on appelle les instruments de la sécurité. On va capter qui passe, on passe, on s'agit juste parce qu'on veut le président. Donc, c'est là qu'on pose le problème, ma parole, sur le plan physique. Sur le plan physique, tout ça passe. Pour moi qui viens, tout le monde qui est entré, premièrement, qui est entré, qui est déjà fait entrer, tel gens pour y entrer, il y a deux gens pour y entrer. Ou bien, bon monde qui ouvre barrière, ou bien, il y a tué tout le monde qui sont pas liés pour empêcher le vieux président, et puis il y a entré de force. Donc, le premier monde pour vous poser des questions, c'est tout le monde qui est dans le dispositif. Ça. Parce que ça crée à son bagage qui est totalement impossible. Et puis, on a compté au moins 8, 9, 10, 15 personnes mourir avant d'arriver
même pas là avec les gens, pour avoir tué les gens. Est-ce que nous avons parlé de failles, techniques, ou de tromper vigilance monde qui affecte la sécurité président? Pas résident. Premièrement, pas qu'il y a failles techniques. Si il y a failles techniques, c'est que nous avons succombé. Maintenant, si j'ai un peu de tromper vigilance, on est qui ont sentinelle, sont moi extrêmement sensible. Non. C'est bien possible. Alors, ça fait me parler de ça, tromper vigilance. Parce que tout le monde tendait sous vidéo, il y a un monde qui a dit, monsieur, c'est dit, il est parti, et ce n'est pas une minou, mon yo, il est parti sur yo. Oh, mais c'est le président seul dans le cas qui vous a informé, qui a fait l'autorisation pour l'entrée. Donc, moi, sous poste, un poste de défense de la sécurité du président de la République, deux, trois, mon cœur de la vie, il a dit, il est parti sur yo. Et puis pour nous amener qui guide rendez, faute d'information d'aller jusqu'à président, et que le président lui-même a connu le rendez-vous avec Mounzaïo, pour lui avoir autorisation pour le rendez. Mais par contre, il y a un monde qui a bien autorisation pour le président, et il y a un monde qui a l'autre pour le capable de rendez. Ça veut dire qu'on est pour son sentinelle, pour son poste de défense pour le président de la République. Je ne sais pas si vous êtes dans le microphone, vous êtes interviewé, vous êtes dans le microphone, ça n'existe pas. On va pas prendre ça sous responsabilité, en tout cas. Mais ça arrive, on va arriver, comme c'est président qui tout là directement, et qui potentiellement là, c'est pour l'informer, et c'est lui qui peut avoir instruction. De toute façon, en parallèle, pendant que vous êtes président comme ça, pour que vous arrivez, les gens qui sont responsables, qui vous disent, mais tel problème qui vient, qui ça vous le fait. Donc, dans le cas ça, selon vous-même, il y a un peu de monde qui est impliqué. Bon, pas un peu de monde, ou quoi? Vous dites, vous savez? Simplement, un monde qui a une capacité pour faire l'autre. Ou dit au monde qui a une capacité pour bailler pour l'ordre. Mais. Oui, au monde qui a une capacité pour du monde qui sous portion, pas intervenir. Mais, colonel, comment mon yo, en fait, agent sa yo, c'est pas des zombies que yo tout. Le autant de un pile coup de zam a tiré en dedans. Jusque là, pour yo pas réagir yo même, est-ce que yo te abdormi ou bien est-ce que yo te sous base ou bien est-ce que. Gagner un pile bagage que moun moun pas qu'à comprendre, colonel. Et vous avez dit, bah, qui c'est? Moi, je vous bagage 11 ans pour être capable de rentrer. Comme ça, quand vous pouvez même arriver devant barrière, caille président, jusqu'à ce qu'il y ait tiré dehors, au moins ça tiré, comme on dit en situation d'agression. Parce que une caractéristique population Sahel, c'est le secret et le silence, la surprise, jusqu'à ce qu'on mette ce type-là. Pour pas qu'on finisse dans un temps où vous avez dit, vous avez tiré, tant qu'on vous rentre dans la croix, tant qu'on vous rentre dans la taille-là. Non, mais est-ce que c'est pas le arrivé? Totalement, oh non. Colonel, est-ce que c'est pas le arrivé en dedans où vous commencez à tirer? Je ne connais pas. Mais l'image que je m'étais regardé, les programmes que je m'étais regardé, qui étaient sur tout Internet, là où est monsieur, il y a une machine, il y a un projecteur, où est monsieur, il y a une machine, il y a un déployé, tout pour voir ce que je m'étais fait, tant que vous n'avez pas de sécurité président, bah ouais, sans que vous n'êtes pas au courant, à moins que vous n'êtes pas là du tout. Et même si vous êtes là, même si attaque, vous êtes disponible, il faut que tu ailles les chefs pour vous dire, gros problème là, mais il y a des gens qui disent que tu te dis, oui, pour avertir le président et pour avertir le monde qui fait tout pour le contrat pour le faire. Mais depuis qu'il tire dans la bataille là, c'est qu'on engage la bataille, et si on engage la bataille devant, on répond. Ok, nous tant d'explications, nous tant de compréhension de ce qui passe à colonel, mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit tout simplement un complot. Un complot local ou bien un complot international?
c'est un vrai melting pot très bien organisé, qui est organisé techniquement avec tous les gens qui ont des complicités du palais pour s'en passer en douceur pour ça. Et puis, il y a plus d'informations qu'à parler. De l'intoxication. Sur le plan technique, ils ont dit que ce sont des Colombiens qui montaient et qui viennent assassiner le président. Et puis, les Colombiens sont des professionnels qui ont assassiné le président. Nous retournons dans le même cas pour se retourner en bas dans l'opération. Qui retourne à moins de 600 mètres de poste police. Écoutez, il y a un principe tactique qui te dit, dans une opération, la route de la ligne n'est jamais la route du retour. Dès que si on passe dans ce chemin, on va opération, on va l'autre point d'évacuation pour sortir, on va pas sortir, on va retourner même côté. Parce que l'on passe côté pour quitter ainsi, pour quitter l'information, qui a fait ou récupérer ou. Les professionnels, madame, j'en fais ça. Mais si on fait ça, c'est que vous agit en toute innocence, ils n'ont pas au courant de ce qui a passé. Bon, bagage qui passe, ils dirigent les gens. Ils ont regardé, ils ont pu regarder, ils ont constaté, puis ils ont retourné la caillou tranquillement. Mais en aucun cas, si ils ont impliqué, ils n'ont pas jamais retourné côté de l'autre. Jamais. Donc là, vous pensez que Colombien yo et pas impliqué ou encore même commando pas vraiment impliqué dans l'assassinat président. Moi pas cap tout ça. Moi explique au principe. Yo premièrement, pour yo opération qu'on a faite, première règle là, c'est le silence, la surprise jusqu'au moment où on est ciblé. Deuxième règle, l'opinement ainsi là de vous faire opération, ou pas à tourner côté au territoire. Même plus sur le plan technique. L'opinement opération, il n'y a pas d'absolu en matière d'opération. Il doit avoir des ratés. Il y a une étude qui pour faire un environnement qui pour déterminer ce qu'on appelle des points de ralliement. Si ça t'a mal passé, qui va nous rencontrer pour nous réévaluer la situation, pour nous prendre des décisions. En aucun cas, il n'y a pas de côté de l'Aléa. Au monde qui a attaqué, c'est des professionnels aguerris. Maintenant, est-ce que les gens qui font opération et qui font M. Sarovini, de telle sorte que vous êtes capable de porter chapeau, je ne sais pas qu'on est. Mais l'opération fait trop facilement. Nous faisons trop facilement, par contre, green cap pour le tapet, pour ne pas avoir au moins 5, 10, 15 dès qui mourent ou bien qui blessent avant que l'arrivée contre le président. Mais il y a rapporté tout le colonel que vous croisez, monsieur, par des groupuscules dans la rue et après le mois président. C'est un élément de l'opération d'ailleurs. Et côté l'opération d'une fête qui passe vers le passé, on peut passer de là. Et pour effacer de la chose, il y a une bonne méthode. Il y a des gens pour éliminer, les sorties de monde qui n'ont pas parlé. Il y a des gens qui proposent au barreau, qui ont pris le risque de colo. Donc c'est un bagage extrêmement compliqué. Et il y a un bagage qui a fait la foule qui a attiré l'attention. C'est qu'on pile information par sortie pour faire mon coin du bagaille. Et c'est la map qui font donc pile mon faire attention. Mon appel intentionnellement, vous connaissez l'appel, c'est très bien, c'est croyant. C'est obligation par rapport à notre arrivée des questions. Mais l'autre monde qui a véhiculé l'information, parce que moi, après WhatsApp, tout le monde a pris tout ça, il y a plein de choses qui ont partagé pour faire attention. Si une opération comme ça capable de faire, les supposer quand même une bonne connaissance de terrain, colonel. On va faire une opération sans qu'on pas faire une équipe de terrain. Surtout entre les zones qui sont présidents, quand on entre qui est facile, mais qui est difficile tout. Et là, on va prendre, du point de vue organisationnel,
organisationnel, par contre, il y a un cas pour le président de l'ETA. Ça, c'est évident. À moins que vous assurez un dispositif extrêmement fin et solide et de sécurité. Pourquoi pas assurer sécurité au monde n'importe qui côté, mais vous obligez de faire une suite topographique là. Vous obligez d'étudier point 1 et vous obligez d'étudier tout ce qui allait 19 fois à 110 km de point 1. Est-ce que vous pensez l'assassinat du président Jovenel Moïse t'as dû servir de leçon à prochain dirigeant que n'a gagné pour qui dit qu'a dirigé pays? Moi-même, je crois que j'ai une bagage qui arrivait. J'ai tout le monde qui arrivait, mais c'est dans l'État, ça ne se pas connaître. Qui s'est arrivé, qui s'est organisé, qui risque qui gagne, qui est la fille. Par exemple, je m'apprends le discours du président Jovenel Moïse. C'était un discours politiquement enfantin. C'est un président qui attaque tout le monde, qui des fois cite nos mounes, et quand vous avez contact avec vous, je suis obligé d'agir contre vous et puis je tombe avec tout le monde agir contre vous. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est un président de la Palo qui est président de déclarer la guerre à deux citoyens. Si vous êtes citoyen, vous déclarez la guerre. Parce que vous annoncez que vous déclarez la guerre, on est que le fond arrêté au fini. Et vous savez que vous avez un élément dans mon ça. Mais politique pas fait comme ça. Et ni vous pas agir comme ça en matière de sécurité. Maintenant, il y a un peu de détails. Je ne pas faire une autorisation pour parler de vous. Ce sont des détails liés à des questions techniques. Mais il y a des questions relevées de la sécurité d'une nation. Depuis qu'on met un apprenant à faire ça, tout le temps, on fait ça pays. Qui contrôle, qui met des sous, qui contrôle sérieux, qui met des sous. Depuis qu'on met un monde qui a fourni, un monde qui a massacré, et des fois à 300, 400 mètres de balai national, qui s'est fait pour ça? Donc, il y a une série d'éléments liés à un fait de compagnonnage. Comme si la criminalité et les assassinats qui sont passés pour un bagage presque normal. Par exemple, l'offre qui a passé pour Belay, pour La Saline, pour Matisse depuis quelques temps. Qui est-ce qui réagit? Qui est-ce qui dit un bagage? Donc, bon, c'est du monde qui vient comprendre que Mathieu tue le monde pays à son bagage normal. Et parce que justement, c'est passé comme ça. Et pour tout le monde, il s'est arrivé sous président tout. Maintenant, nous avons pris une déclaration qui a fait yo. Et moi, commence à constater, il y a des chefs, moi, en Haïti, qui ont fait que les vieux tombent par les, souvent pulsion, suivant ça au senti, suivant ça au courant. Dans cet état, mon chef de la palais, il y a une équipe technique qui prépare les paroles. Par exemple, m'a suivi les boules d'après là, côté des assassinats à bloquer avec coup d'état dans un discours ouvert dans un moment très sensible. C'est de l'enfantillage. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut qu'on y fasse attention. En plus de M. UAGPN, il y a plusieurs unités, il y a 4 teams, mais il y a un chien tout, la CAI président, il y a un personnel privé, il y a le petit personnel aussi du président colonel. Bon, il y a tout ceci là. Dans l'infrastructure humaine de la sécurité du président. Maintenant, combien de monde est responsable ça? Et premier monde qui est potentiellement victime dans le président lui-même, qui connaît ce qui est un bagage ça, ou si un bagage qui ne représente pas, il faut le faire ça. Et moi, je ne connais pas. Parce que ces mêmes bagages là, par exemple, on va appeler le maître normal du monde. Maintenant, il dit, pendant l'assassinat de la fête, il y a un feu d'artifice dans l'environnement qui est président. Comment tu as imaginé que le monde qui était dans l'environnement immédiat, à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de la président, capable de déclencher feu d'artifice à volonté de tant qu'il n'a pas averti le dispositif de sécurité qui est président. Vous connaissez tel monde qui a fait faire tel jour à tel heure, vous capable de tirer des feux d'artifice. Et dans le cas, on a des gens qui ne sont pas déplacés,
pour aller en fait là, pour assurer que ce fait d'attribution capturé, capturé. Donc, on s'est passé en Elblaï, Général Kébaï, côté les éléments primaires de la sécurité n'est pas tenu en compte, et que on fait ça obligé à ouvrir l'aéroport. Ça ne se passe pas comme ça. Et les agences de renseignement national, ils sont nécessaires ou pas? Oh, si des agences de renseignement national, depuis les messieurs tapent, entraînant route pour aller vers où est-ce qu'on a beaucoup de commissariats, beaucoup de kidnappements, les structures de renseignement étaient au courant, ils étaient en fait clean-up sous machine, ils étaient en train d'identifier ce qu'on disait, parce que route qui a pris, c'est route qui menait tout dans le cas du président. Donc ça veut dire que le système de renseignement pas là. Non. Ou bien c'est impliqué. Donc, colonel Rébu, selon vous-même, enquête ça, elle est facile pour mener. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Premier monde pour les proposer. Parce que vous êtes un monde qui est responsable de cet État. Vous êtes premièrement premier ministre. C'est lui-même qui chef CSPN. C'est lui-même qui chef CSPN. Lui représente le système d'égalité PIA. Et première personnalité dans le PIA. Ou bien un ministre de la Justice là. C'est lui-même qui contrôle la police. Ou bien un ministre de l'Intérieur. Il suppose qu'il y a une infrastructure, système de renseignement. Qui ça a été fait? Qui ça a été mal fait? Qui ça a été mal fait? Qui fait pas de renseignement? Ou bien un système de renseignement primature, ou bien un système de renseignement des palais national. C'est justement des autres généralisés, ça y est. Qui fait ou pas qu'à admission à union institution. Là, par exemple, on dit qu'il y a GPN responsable technique des présidents. Il y a GPN responsable technique des présidents pour l'organisation physique de la sécurité. Mais il y a GPN pas responsable technique des présidents pour la politique. Donc, nous parlons au monde qui est responsable de la sécurité nationale. Ça y est, aux États-Unis. Homeland Security, sur le plan intérieur et de la sécurité nationale par rapport aux menaces extérieures. Donc, nous rentrons dans le pays, tout système organisationnel classé, nous pas cherché à renforcer, nous pas cherché à organiser, et puis nous taillons pour vous pas d'adieu. Par exemple, est-ce que c'est vrai, c'est tout le temps que le chef de la police qui est tout mal de manœuvre en matière de contrôle de sécurité président lui-même. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que je crois que le chef de la police, le chef de la police, c'est non la guerre, c'est pas les nationales, mais nous avec le président tout le temps. Donc, c'est des autres ça, qui désinstitutionnalisent le pays, hein, qui fait, vous dites à Libye facile, vous dites ok, Léon Chadis, le général de la police nationale, lui responsable. C'est vrai. Position de l'Chita, il est responsable. Pour ma explication. Mais qui marche de manœuvre, il y a le gain sous contrôle dispositif pour contrôler la sécurité résident. Il y a des fois, il faut faire mon petit chef. Il y a un GPN, petit chef, pas un chef de la police là. Au point, nous songeons qu'un chef de la police qui s'appelait publiquement. Il y a deux monde en uniforme. Avec des armes, des uniformes que le baron est, des armes que le baron est. Donc, c'est simplement nous, c'est pour nous bagaille pour nous aller rapide. Parce que je dis, à premier monde pour demander l'explication, c'est chef de la police. Là. Mais question pour répondre. Qui pouvoir réel chef de la police a gagné dans l'organisation sécurité président? Est-ce qu'il y a un structure qui crée service qui détaché mais a fait la police? Responsable sécurité président. Donc, il faut aller à l'organisation globale de la sécurité pour aller voir qui est responsable pour poser la question. Monsieur, il y a quelques instants, je me pose une question. Déjà, est-ce que vous pensez que l'enquête n'a pas abouti? Ou dites-moi que ce n'est pas difficile. Mais maintenant, est-ce que la famille présidentielle et même les proches, est-ce qu'il y a besoin de justice d'après vous-même? Ça dépend de dimension complot.
je ne dois pas exemple dire, parce que en cas de là, premier mouvement qui a fait tant au niveau national qu'international, c'est un bon mouvement Gaïpaï. Un mouvement Gaïpaï, ça veut dire que Gente Capone sous un pile grâce. Et donc, il y a un monde qui va te régler pas. Oui, mais ça va tout partout. Colonel. Même le monde qui a une responsabilité dans le crime, il est même choisi comment qu'il faut. Mais ça me veut dire, colonel, c'est partout pareil. Ou même où il est le gars et pas, mais l'autre monde, il est carré brouillé piste. Non, le gars et pas, il est brouillé piste. Ah, mais c'est ça me dit. Donc, c'est partout. Après qu'un crime fin commet, et même avant crime, non, il y a des dispositions auteurs intellectuels et criminels eux-mêmes, ils prennent des dispositions pour empêcher qu'ils arrivent sous eux. Nous voyons ça très souvent dans des films également, colonel. Oui, mais c'est normal. Pour un bagage qui finit en cours, et puis qu'on y a pour le guider, pour le bâtir, c'est totalement normal, oui. C'est dans le métier. Malheureusement, on n'a pas dit que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, il faut le dire. Il faut le dire, c'est comme ça. Donc, peuple haïtien doit croiser bras, je vous dis là, pour tant, les jeunes justice, ok, les pas jeunes tout, la vie continue, colonel. Bon, depuis la deuxième guerre mondiale pour les pays, il n'y a pas de jeunes justice, la vie continue. C'est. On va dire un ADN fonctionnel, on a une réalité permanente. Maintenant, pour la population qu'on est pour remplir l'information qu'on soit en plus de bagaille et pour manipuler, pour aller dans la rue et assassiner du monde ou bien craser des bagailles du monde. Colonel, au sort d'un point là, permettre que moi tourne sur lui avec vous. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour le monde qui a suivi nous, capable de comprendre un peu ce qu'a dit ou ce qu'a passé. Ou dit que enquêteur ou encore monde qui l'a supposé tendre, je dis, hein, ou bien l'impression que le monde a une enquête là tout. Est-ce que vous bien comprendre, c'est ça que vous l'avez dit? Je dis publiquement, tu vois ce qu'on a passé jusqu'à présent, je dis c'est des mercenaires colombiens qui assassinent le président. C'est elle qui pivote. Mercenaires, ça y est, pour qu'ils aient fait rentrer dans le pays. Qui leur a rentré dans le pays? À travers qui est-ce qu'ils rentrent dans le pays? Hein? Nous sommes rentrés pour faire tout ça. Je dirais c'est qui bon? Et est-ce que mon côté là, qui fait l'état rapport, on est que tel groupe, on qui est telle nature, il y aurait été tel côté. Par exemple, je rappelle que le secrétaire d'État de sécurité publique, de une situation préventive en matière de sécurité, je m'en réglé. Je parle avec le commissaire de police là, je m'en ai dit ce rapport et hôtelio sur l'occupation des hôtels, les étrangers qui y sont, les dates de leur arrivée, si je ne pas gagner bagaille content. Moi, je ne vais pas comprendre. Parce que dans ce pays, quel que soit le pays, il y a des bons étrangers rentrés, donc l'IPAC et l'immigration, même côté à ministère de l'Intérieur, qui vous avez une liste d'étrangers rentrés, qui est surié, côté au sorti, pour combien de temps y a prêté. Qui adresse probable. Oui, montez quoi, elle va gagner, colonel. Le rivet,
Pardon? Où tu connais le pagain? Dans l'état actuel, les choses, j'en paye, parce qu'on n'a pas eu longtemps de vous, le secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est-à-dire que vous devez dire un pays qui est déjà désorganisé, colonel. Écoute, c'est pas parce que le désorganisé que désorganisation vit normal. Non, c'est pas ça, me dit non. Moi, je voulais dire, colonel, vous ne connaissez pas besoin de réponse là. Vous ne connaissez pas besoin de réponse là, colonel. Non, honnêtement, non. Il va répondre, moi, un petit. Parce que c'est pas ça qui est dans l'esprit naturel, c'est une bague là. Ça veut dire que tout étranger qui rentre dans le pays, on va avoir l'opération, la fiche ou après le mot de la maison. Oui. Fiche, ça suppose à un ministère de l'Intérieur qui screen, oui, notamment screen, et qui a vérifié. Par exemple, nous avons plus de monde qui a fait des bagailles et qui a fait des Airbnb. Nous avons reçu des gens la caillou, nous avons parlé à l'hôtel. Mais dès lors que nous sommes arrivés, le système de sécurité pays a fait pour moi des gens pour lui faire des déclarations dans la police. Nous avons un monde qui se trouve tel côté, tel lettre, il est tel gens, mais pour nous, il est de la caillou et il n'y a pas pour tant de temps. Oui. Ça, c'est information. Mais sécurité l'État a des devoirs pour la contrôler. Pour dire qui ça nous a fait, côté à l'IFC, c'est tout, c'est pas normal. Parce que si nous ne faisons pas ça, moi je dis, nous faut le faire. Et gens pour le faire, ça, c'est la routine. Ma problème, sur le plan technique. Pour l'homme qui prend une décision, nous allons faire un week-end au pape avec famille. Officier de l'armée. Mais là, moi, je viens de Marie-Bouton. Moi, obligé de descendre là, je m'arrive mal. Avec famille, pas avec tant de monde. Et moi, je me suis dit l'hôtel, je m'en descends dans l'hôtel, moi, j'ai. Mais, moi, je suis après, moi, j'ai comme moi, j'ai un de mon mari. Moi, je dis, où est-ce que tu peux me contrôler si ça me dit qu'il y avait ça? Maintenant, si nous démontrons tout ça, nous mettons tout le monde en insécurité. Oui, mais laissez-moi dire, vous avez l'armée d'Haïti là, colonel. Bon, c'est pas moi-même qui. Qui casse là. C'est l'armée pas là. Donc, tout le monde qui fait ça, on est qui t'a. L'homme qui fait ça, qui t'a pour nous faire. Et au dernier point, je voulais avec vous, colonel, et autorité a annoncé arrestation de un certain un pasteur et un docteur tout de Christian Emmanuel Sanon au monde qui avait évolué en Floride. Il a dit au jeune pile bagaille la Kaili et arrestation ni en t'a permettre que yo découvri m'a cité deux auteurs intellectuels de assassinat. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça ou même, colonel Rebu? Moi, pas un commentaire, un élément en plus dans l'enquête là, c'est pour entrer de approfondir à ce ça, qui est capable de mener à certaines filières. Mais pas oublier que je vous dis, il y a un pile travail qui est fait pour joindre de faux auteurs. Par exemple, je vais tenter un. Mon bagage a dit, c'est Mme Président de Mali. M'a posé des questions. Comment Mme Président, qui a été blessé, premièrement dans son cœur, dans son intimité, dans son corps, dans l'hôpital, et puis c'est des déclarations politiques, mais il y a aussi une bataille après. Si mon idée qu'a présenté, dans la chambre de Mme Naya pour la vraie interview. Côté Mme Naya, licencié au VIP, et dès lors qu'on vient de rentrer sur le territoire américain, on a un plan de sécurité qui assure de sécurité. Donc, qui assure que tout le monde a présenté sa propre volonté. Parce que, il y a des gens qui ont bien passé jusqu'au Mme Naya pour rentrer au VIP. Donc, on a assuré la sécurité, mais on permet n'importe qui de rentrer au VIP. Est-ce que vous pouvez permettre, madame, de faire une interview? Non mais t'as semblé que le monde prend un vidéo comme ça, on véhicule,
Wapagali, pour qu'on ait pour rentrer dans une probabilité de manipulation. Non, je sais qu'il est même un dossier criminel. Non, t'as semblé colonel, madame Nang, elle parle avec des monde, des poches, qui confirmaient que c'est effectivement que c'est les mêmes. Moi, pas commenter, non. Moi, je dis, voilà, on bagaille, vous avez été expliqué. Oh ben, colonel, et comme auditeur et téléspectateur capable de remarquer, ou pas dans le pays, ou bien plus à jour dehors, colonel? Bon, je pas depuis le 17 mai, puis mon conseil de contrarié de l'équipe de l'Europe. Et je vois que je suis rentré probablement et jour où elle arrivait, puis mon autre contrarié de l'Europe retourne à la règle de l'Europe qui est venu de l'Europe jusqu'à présent et m'a présenté très bientôt. Merci pour la disponibilité, colonel. Faut me dire que moi seulement, et malgré les difficultés que j'ai pour me communiquer au début, nous seulement comblé attente plusieurs auditeurs et téléspectateurs qui étaient souhaités tant d'eau par rapport à ça qui passait.